Et bienvenue à tous sur la chaîne des Oblim Team Gaming, comme d'habitude, c'est Mocha, on est reparti sur Fallen Earth. La terre désolée, la terre en perdition, la terre déchue. Et donc, pour info, avant que j'oublie, parce que je vais en passer quand même, parce que j'ai eu, bon, pour l'instant, on va dire qu'on a réussi à faire ça, donc on va continuer, parce qu'il faut le nourrir. Mais depuis le début en fait j'ai déjà mon cheval, j'ai déjà ma monture, c'est pour ça qu'on m'avait donné un fer à cheval, etc. D'ailleurs j'ai mis ça dans ma banque mais je peux plus vous le montrer, mais le fer à cheval que j'ai stocké est en fait le cheval. Il faut cliquer dessus je crois, enfin voilà, vous mettez utiliser ou un truc comme ça. Et donc dès le début en fait on a notre monture. Après il faut la nourrir par contre. Donc vu que pour le moment les quêtes qu'on a à faire sont dans la zone, je vais en passer et puis après dès qu'on ira vers l'autre ville et qu'on commencera à aller de ville en ville, là je m'en servirai. On a réussi à faire ça jusqu'à maintenant, donc je pense qu'on peut continuer. Et d'ailleurs aussi, petit informatif, au niveau du craft, comment ça se fait que j'ai une lampe torche? Depuis quand? Depuis quand on a une lampe torche dans le jeu? Attendez, je découvre un truc parce que j'ai quand même joué plusieurs fois dans la nuit. Jamais fait gaffe qu'on avait une lampe torche. C'est moi qui l'ai allumée. Eh ouais. Avec F. Me croyant dans All Bullet Point, j'ai voulu interagir avec la plante là pour la récupérer avec F et du coup j'ai allumé une lampe torche. Mais ouais, c'est que c'est ça. Parce que c'est avec eux pour interagir sur Fallen Earth. Et du coup F sert à allumer sa lampe torche. Ouais bon bref, ce que je voulais dire c'est par rapport à ces enseignes qu'on voit un marteau et je ne sais quoi, enfin ça fait comme une croix là avec un marteau et autres. Alors, il y en a peut-être deux par ville, une ou deux par ville, ça dépend. Là c'est les enchères, ça se voit, parce que c'est pas pareil, c'est un marteau mais en bois quoi, le marteau de l'enchère. J'essaie de le retrouver à un endroit où ça se voit plus. Ici, voilà. Dans cette zone. Non, c'est là en fait. Sur les cartes, comme vous pouvez voir. Évidemment, c'est pas sur cette carte-là. Enfin, pas autant. Que sur elle en haut à droite. Bon, on le voit mal parce qu'il y a une petite croix rouge et plein de petites icônes à côté. Mais il y a bien le marteau. Avec, je sais pas, le clou, je sais pas trop c'est quoi. Qui à côté, ça me paraît un peu gros pour un clou, parce que si c'est gros que le marteau, peut-être pas, mais bref, on va dire le marteau et je sais pas moi, un tournevis, salope, ouais, c'est peut-être ça en plus. Et ben en fait, c'est en se mettant dedans, vous allez, ça va augmenter la vitesse de votre craft. Et vous pouvez vous déconnecter, ça continuera toujours. Et si le craft dure, je sais pas, une demi-heure, et vous revenez une demi-heure après, il sera soit terminé ou il sera en train de se terminer, mais je veux dire. Le temps aura passé comme si vous étiez en jeu. Donc si vous êtes, si vous avez du craft, essayez de enfin en cours, essayez de vous mettre dans cette dans ce genre d'endroit et de vous y déconnecter. Enfin si c'est ce que vous comptez faire, autant optimiser les trucs. Donc voilà tout. Puis du coup la carte, on va la regarder pour voir. Non, on a quelqu'un à aller voir ici, pas très loin. Dans cette direction, je sais plus c'est qui. Où je me retrouve, parce que j'ai un peu perdu le fil, mais ça va vite revenir. Ben, on est passé devant en plus. C'est ce que je vous disais, hein, c'est donc lui ou quoi? Pourquoi les rouges donc? Attendez. Non, il n'y a rien à me dire. J'ai pas fini la quête le concernant apparemment. En tout cas ouais, c'est là pour crafter, mais de toute façon j'ai rien à crafter, c'est justement il me faut des ressources. Donc cette quête là c'est foutu, je peux pas la terminer. Je vois pourquoi il y a une croix rouge pourtant, mais tant pis. On va aller là où il y en a d'autres, c'est dans cette direction. Donc on est parti. Donc il y en a deux aussi là-bas.
Il doit y en avoir beaucoup. Est-ce qu'on peut... Je pense pas qu'on puisse dézoomer. Ouais, c'est comme ça. Au pire, on peut voir un minimum. On a la mission de médecine qui est tout droit devant nous, apparemment. En soi, on verra bien. Là, j'ai du mal à me repérer le GPS, mais on a deux trucs à gauche, là, c'est quoi? C'est autre chose, en tout cas, la mission préventive de médecine me rappelle, elle est plus dans cette direction. Donc voilà, c'est la cabane qui est là-bas. Ça me revient. C'est de récupérer tout ce qu'on peut récupérer, c'est d'ailleurs il me faut des ressources. Je sais plus trop ce qu'il me faut, mais en gros il faut que je fasse des pipes en plomb. On est full ou quoi? J'ai pas assez à récupérer? Si? Du charbon, on peut pas le prendre. Cette eau-là non plus. On va prendre avec notre pistolet quand même. Voilà. Il y a rien. Donc voilà, on approche de la zone de livraison parce qu'il faut qu'on a livré les bandages. C'est juste ici. Ouais, c'était bien ça. Donc c'est lui. Tenez, prenez ces bandages. Et donc voilà, nous voilà avec 70 points d'expérience. Et 10 chips, c'est des pièces, enfin c'est de la monnaie. Sûr. Je suis ouais, content de te voir, un truc comme ça j'imagine. Les embuscades de danseurs. Enfin bref. Il lutte contre les danseurs. Ah, il a une mission. Maintenant que tu es ici, peut-être tu peux nous aider encore, quoi, voilà. Avoir une meilleure condition pour nos hommes. Encore des bandages apparemment. Alors est-ce que c'est moi qui dois vendre ces alliés ou est-ce qu'il faut que je lui en ramène encore? On va se mettre que les trucs qui sont dans le secteur déjà, hein, comme d'hab. Il y a ça qui est pas très loin. Donc on a un nombre limité, donc ouais, je vais essayer de prendre quand même ce qu'on vient de... Ah ben... Bah, c'était quoi? Ça a déjà été marqué? Bon, on doit les délivrer aussi, une bouteille. Bah d'où la mission qu'ils viennent me donner? Bref, elle doit être marquée quelque part, mais... Tant pis. Je sais pas trop où on va, mais si ça va, si c'est pas très loin. Blade Dancer Reaper. J'en ai trop loin. Faut que ce soit en rouge au niveau de la visée, si j'ai bien compris, hein.
Non? Ah bah non, c'est l'inverse. Quand c'est en rouge, c'est que justement on est trop près. Trop loin. Là, ça va. Je peux le tirer jusqu'ici. Même là, là non, plus maintenant. Ah, du coup, il est en train de se barrer. Voilà. Voilà, histoire de s'amuser un peu sur la route. Ah, il m'a piqué ses poumons. Bah, l'organe pour Duster. Bah voilà, ça tombait bien, c'était une quête qu'on avait à faire. Pourquoi tu veux pas prendre? Est-ce que je suis fou ou quoi? Pas possible, on s'est rempli les... On s'est... Non, non, c'est qu'il y a eu un petit lag, je crois, un truc comme ça, je sais pas. De toute façon souvent quand c'est le genre de truc comme ça qui arrive, c'est une petite déco, une roco, on n'en parle plus, mais le bon on va s'en passer parce que j'ai quand même commencé la capture. C'est... C'est sûrement rien. Sûrement que passager. Parce que là ouais, you found, c'est bon, on l'a déjà récupéré, mais vous voyez, ça bug au niveau de l'inventaire, il se ferme pas tout de suite. C'est ce petit problème. On va fermer manuellement parce que de toute façon, on la récupère quand même. Ah, je me trompe de touche. Décidément. Sûrement, en appuyant sur Deck Hall, ça se ferme automatiquement. Hein. Mais là, non. C'est sûr qu'on doit récupérer. Voilà, c'est bon, ça se ferme tout seul maintenant. C'est bien sûr qu'on doit récupérer quelque chose pour une mission parce que organe pour le docteur. Comme là, il y a eu un petit bug d'animation. Donc c'est plus sur notre gauche, on est en train de se décaler là. C'est là, le camp est juste ici. Moi c'est pas loin quoi. Alors j'ai commencé à distribuer mes points ici. Hein. Je me suis mis en précision et en rifle. Ce qui fait que je fais plus de dégâts critiques en principe. J'ai plus de chance de toucher. Pardon. Donc c'est vraiment moi ici. Passé quoi. Reprenons la carte. Non, c'est que sur la carte comme ça, à cette échelle, c'est pas évident de se repérer, mais on voit à peu près, ça met dans la bonne direction. Et c'est bien le cas, c'est toujours sur la gauche. On va y arriver d'ici quelques minutes. En gros, faut compter sur trois, faut partir sur trois caractéristiques. Je le dis parce que voilà, ça va meubler un petit peu et puis ça pourra toujours vous renseigner. C'est rifle, pistole ou mêlée. Après, selon ce que vous voulez, c'est à vous de mettre vos points. Mais il y a toujours moyen de mélanger si vous voulez. Mais le mieux quand même, si vous voulez être performant dans un domaine, c'est de s'y concentrer, de s'y fixer quoi. Et après vous pouvez donc vous mettre les petites compétences spéciales en rapport avec votre
Orientation. Qu'on a beaucoup de jeux, hein, de toute façon, mais. Enfin, beaucoup, pas tant que ça, parce que c'est vrai que la plupart des gens ont choisi une classe dès le début, etc. Enfin bref. Là, c'est à vous de voir ce que vous voulez faire. Comment vous voulez le faire. De toute façon, vous verrez bien hein, selon ce que vous avez besoin ou dans quel point, quelle compétence vous voulez augmenter. Vous verrez aussi. Est-ce que je suis dans la bonne direction, bordel? Ouais, on est près de dessus. Ah bah c'est sûrement lui qui est en face là. Vous serez bridé de toute façon. Parce que par exemple, pour ce qui est de, pour ma part, la perception. Non, je sais plus, attendez, c'est quoi que j'ai mis déjà? J'ai mis rifle. Ah ça va me revenir, j'ai dit à 2 secondes. Rifle et précision, enfin je sais plus, en tout cas ils sont liés. C'était ce qui était lié, c'était genre dextérité, puis je sais plus quoi, et ça c'est pas vraiment des compétences. Hein, c'est pas des compétences spéciales, c'est des compétences simples, et donc les compétences spéciales dépendent de vos compétences simples. D'abord augmenter vos compétences simples d'une certaine manière afin de pouvoir augmenter ce que vous voulez en termes de compétences spéciales et ensuite aussi des mutations. Voilà. Think, think and think, Diane. Think. Je crois que c'est à eux que je leur amène la bouteille. Je suis pas sûr. C'était bien ça. C'est pour ça qu'il était si content. Donc là, il veut qu'on aille voir à l'ouest de Midway. From the Fire, je sais pas, il y a un. Ouais, on verra bien. Poker. Je crois pas qu'il y a aussi ce qu'ils veulent faire. Une partie. Donc voilà, c'est bon, il y en a un autre juste à côté normalement, en principe. Dans cette direction. Ah mais non, mais non, mais c'est la ville. Pourtant si, non, il y a un assassin, il y en a rien. Peut-être là-dedans. Espèce de casse encore. J'ai déjà passé devant un truc comme ça tout à l'heure, mais est-ce que c'était le même? Je pense que oui. C'est même là où il y a une espèce d'entrée. Il y a des égouts. Il va mener sûrement une sorte de petit donjon. Elle est ici. On voit l'échelle. Ça là rapidement. Donc il faut faire des pipes de plomb en plomb. Trouver des preuves. First aid and torture. Take heated poker. Donc ouais, il y a bien un truc à faire ici, là, je vais le voir. On va bien voir, parce qu'il y a un objectif de mission. En termes de succès, j'ai vu, il y en avait 650 ce soir sur Steam. Il y a à peu près... 3 succès par ennemi. Le premier quand vous en tuez je sais pas 10, 20 ou 50, enfin pas beaucoup quoi. Après une fois que vous en tuez 100 et 1000 je crois après, ou ouais, je sais plus, mais en tout cas c'est, il y a 3 par ennemi, mais il n'y a pas que ça. En tout cas, il y en a 650, ça fait beaucoup. Ou 25, je sais plus, en tout cas il y en a plus de 600.
passe à la hache au pire. Alors c'était ouf, c'est en face. Ici, on a un truc à récupérer ou à faire. Ah voilà. Qu'est-ce que j'ai fait du coup? Ah ouais, trouver des preuves, d'accord. Voilà, on a récupéré les preuves. Donc c'est bon parce que derrière c'est quoi qui me reste? Elle est où? C'est par rapport au mec là qu'on vient de parler, hein, qu'on vient de causer, qui est là-haut et qui du coup lui attend qu'on lui ramène je sais plus, mais en tout cas c'était pas maintenant, c'était pas. On pouvait pas le finir. Enfin bref, puis on y retournera, c'est pas si loin que ça, la ville juste ici. C'est pour ça que je prends pas mon cheval pour l'instant. Vu qu'il faut le nourrir. On va essayer d'optimiser nos revenus, enfin d'éviter de les perdre surtout. On prendra que quand on aura des distances quand même plus grandes. Il y avait une mission là. Ah ouais, c'est ça. Ah ouais, regardez là, ouais. D'ailleurs, j'en profite parce que j'ai vu ça dans une vidéo et c'est vrai que j'aurais pas fait attention sinon. Ça, c'est des missions journalières, je crois. C'est bizarre parce que c'est. Enfin bref, on va regarder ce que ça dit. Il me semble que c'est. Touriste télescope. Voyons voir si je me trompe pas. Ah non, c'est pour débrouiller la ville, non, c'est pourquoi. Je sais qu'il faut le faire normalement, voilà. C'est. En tout cas, je sais plus. Si j'avais vu une vidéo rapidement, je sais que. Je sais plus ce que le gars a dit, parce que ça c'est. Là ça me. J'ai dû confondre avec autre chose. Mais bon, apparemment il y en a une dans chaque ville et il faut pas hésiter. J'ai cru que c'était une mission, mais en fait même pas, c'est juste pour. À vrai dire, je sais pas trop, mais. Il parlait de regarder le décor. Après ça a ajouté, je crois, comme une base de données. Une sorte de. Peut-être. Ouais, histoire d'avoir des points. En connaissance, un truc comme ça, en intelligence, un délire comme ça. Enfin, c'est pas inutile en tout cas. Comme la plupart des choses qui sont proposées de toute façon. Donc faut faire des pipes en plomb, hein, donc je vais regarder ce qu'il me faut comme matériel. Parce que ça va déjà m'aider à savoir ce qu'il faut que je ramasse. Parce qu'on prend des fruits, mais c'est clair que c'est pas ça qui va nous aider. Donc. Appuyons sur la fenêtre de craft, regardons rapidement au niveau de ça j'imagine, parce que bon ça fait tout. C'est pas dans utilitaire non, mais alors ça va être dans quoi? Science, médecine, c'est pas dans armes, c'est vivant plan. Je pense pas. Hein. Woodpole. Je l'ai vu en plus l'autre fois, ce que j'ai cherché aussi, mais je l'avais trouvé plus rapidement, mais j'ai un peu oublié dans quel onglet c'était. Je crois qu'on y est. Plumber pipe. Voilà. Ah ben c'est bon, je peux en faire. Et il m'en faut combien? Je me suis pas vu faire, j'ai dû ramasser ça entre temps d'ailleurs. Donc d'ailleurs, qu'est-ce qu'il faut? Du scrap copper. Ah ouais. Ok, bon on en a pris tout à l'heure, je me souviens. Ouais. Et donc. 3. Je peux en faire qu'une. Au moins c'est ce qu'il faut maintenant. On peut lancer une. En principe. Non, ça n'a pas marché. Si c'est bon. Et donc bah je sais où il y en a, ça c'est vers. Il y en a plein à côté du centre de régénération. Qui si je me souviens bien est à l'est donc, si je dis pas de bêtises. Donc on va y aller.
Donc, ouais, ce que je vous disais aussi par rapport à tout à l'heure, pour augmenter votre temps de craft, il y a deux manières. Bon, déjà, on peut aussi s'abonner. C'est un des avantages en étant abonné, mais il y a aussi des zones dans lesquelles le craft va beaucoup plus vite. Comme par hasard, là, il n'y en a pas à proximité. J'avais bien voulu vous montrer rapidement qu'on voyait la différence. Donc là, on est à 5 et quelques, quasiment 6 minutes plutôt. Si, si, c'est juste là, voilà, ça, c'était pas trop loin. Parce que je vous en ai parlé tout à l'heure, mais c'est mieux de vous montrer quand même. En vous mettant ici, en principe. Ouais, voilà, j'ai gagné une minute. Si vous avez vu, on est passé de 5 à 40 à 4 minutes 10, là. On a gagné un peu plus d'une minute. Donc ça peut être intéressant quand vous avez pas mal de craft. Vous pouvez vous déconnecter. Et ça prendra quand même en compte le fait que le craft avance déjà. Et ça avancera même si vous n'êtes pas en train de jouer et que vous n'êtes pas dans le jeu. Et en plus, ça prendra en compte le gain de temps. Bien sûr, il faut être dans la zone, sinon ça se craftera aussi, mais avec le temps par défaut. Il y a des missions ici. Joseph Peter. La station souterraine est opération d'opération manuelle, enfin, je sais pas trop. Ne va pas très, ça va pas très bien. Apparemment, bah, il faut que il a besoin de techniciens, c'est quoi, non, c'est ça? Ah, plus ou moins, enfin ouais. Je suis complètement à côté de la plaque, c'est vrai que je me prends pas tôt la tête aussi. Hein. Faut trouver le Bring the Underground Power Station Opera, c'est opération j'imagine. Book, ah ok. Tout aide. Ah non, fallait lui donner le bouquin, c'est ça. Ah non, c'est. On doit aller chercher plutôt. Oh je sais plus. Soit faut aller chercher ou soit faut ramener. Peu importe. De toute façon, on verra ça en temps voulu. Il y a encore une mission là, c'était où? C'était lui. Ah ouais, Gary, non merci. Et ouais, je voulais partir à l'est récupérer quelques copper stone. Pendant qu'on y pense. Ça va lancer les autres crafts. En principe, il y en a pas mal ici. J'en vois déjà une là. Ah ben, il y en a une juste ici. Une là. Donc ça devrait aller assez vite. C'était 3 par pipe qu'il en fallait. Voilà, ben, il m'en faut 6, mais maintenant du coup il m'en faudra plus que 4. Je pense qu'on va les trouver rapidement, là ils sont obligés, c'est obligé qu'ils soient tous à proximité. Parce qu'il y a quand même pas mal de choses comme ça ici. Voilà. Ouais, tu vois, encore 2 là. 3 même, 4, voilà c'est bon. Donc ouais aussi ça se passe bien dans la même zone en fait que Fallout peut-être Fallout 3 je sais pas parce que j'ai pas joué à Fallout 3 j'ai vu rapidement quelques vidéos je crois mais sans trop m'attarder sur l'histoire du jeu et autres en tout cas je sais que le New Vegas lui, ça se passe dans la même zone que du coup Fallen Earth je suis full ou quoi? Action is not ready for Ooze voilà non, ok si j'étais mal situé ou je sais pas. Bon, il y a un bug d'animation mais ça marche quand même. Donc ouais, je voulais en venir au fait qu'on est, on est bien c'est en Arizona que ça se passe. On va prendre ça aussi. Donc c'est clair que ceux qui connaissent New Vegas seront pas dépaysés, hein, surtout s'ils passent de l'un à l'autre.
c'est quand même différent, mais je veux dire, genre, il y a quand même beaucoup de points communs. Ah si, on est notre, les autres réalisent, c'est quoi ces conneries? Ah non, ok. C'est qu'il n'y a pas l'animation, donc du coup, je crois que ça se lance pas, mais si. Bon, bah là, de toute façon, là, on va faire un petit combat. Alors, attendez, c'est quoi déjà? Voilà, je l'ai mis... Alors moi, j'ai enclenché un super coup, on va dire, ça lui a... un boost de dégâts, si j'ai bien compris, hein. Voilà. Bon, je sais pas si ça a vraiment marché, parce que du coup, il n'y a pas eu vraiment de bruit. Et pourtant, je l'ai fait. On va essayer avec livre. Voilà, si, c'est ça. On l'entend rapidement. Il se met en rouge. Donc vous voyez, ça c'est, on l'a par défaut, mais après on n'est pas obligé de l'augmenter, comme tout quoi. On augmente qu'est-ce qui correspond le mieux à la façon dans laquelle on veut jouer quoi. Donc voilà, la pipe en plomb est faite, bon il y a un peu d'eau à récupérer. Est-ce qu'on peut en faire une autre? Je pense que oui hein. Ouais, largement. C'est même bon pour le reste, je crois. Hop. Donc là, je pense qu'il faudrait que je me déco, je me reco, parce que j'ai l'impression que ça a un petit peu du mal à fermer les fenêtres, ou à les lancer même, tout simplement. Ah ouais, là, je comprends pourquoi, par rapport au craft. Il faut d'abord que je récupère ce que je viens de faire avant de lancer à nouveau. Et pareil, il y a un petit délai. Bon, c'est rien. C'est ce qui arrive souvent dans les jeux. En ligne. Ouais, ça va. Voilà, bah c'est bon, c'est parti. Tout à l'heure je voyais que ça mettait toujours quelques petits, une petite seconde ou deux avant de fermer les fenêtres, mais là c'est bon, ça c'est revenu instantané. Ouais, non, pas là. Donc Ted Poker. Fitted. Ouest de Midway. En face de nous, est-ce que c'est loin? C'est pas sur la carte, c'est quoi c'est pareil? Bon, sinon le niveau des pipons plombs c'est bientôt terminé. Après, faut parler aux techniciens d'Ambry. Et puis encore d'autres trucs. C'est pas ce qui manque pour l'instant. Mais on va essayer de faire ce qui se trouve dans cette zone avant de partir dans la prochaine. Voilà, bon là, ça revient même. Ambry aussi. On doit déjà y aller pour aller parler aux techniciens. Donc là, on va commencer à quitter, à sortir d'ici. Protection. LifeNet, ah ouais, c'est ce qu'il nous a demandé l'autre de tout à l'heure, ça, je crois. Non, c'est autre chose. Building your ATV. Donc on peut se faire un véhicule, déjà. Et ouais, déjà, comme je vous ai dit, hein, j'ai déjà le cheval, sauf que je l'ai pas encore activé. Vu que pour l'instant, c'est que des missions à 100 mètres, à peine. Mais après, dès que... Bah, d'ici peu, quoi, parce que vu qu'on va pas tarder à changer de ville, et à passer de ville en ville, donc, là, ouais, je me servirai du cheval, parce qu'il faut le nourrir et tout, donc ça fait des frais en plus. Donc on verra, on n'est pas pressé pour ça, pour l'instant du moins, ça change pas grand chose. C'est bien ça, ouais, on aura donc un véhicule, ouais, bon, ouais. Faut voir aussi après c'est l'essence. Protecting LifeNet. Mais je trouve plus la mission du mec là qui m'a dit... Ah si, c'était, ah c'est vrai, hein. C'est ça, c'est par rapport au poker là, bah, ça me trouble, je sais pas trop c'est quoi. On s'en fout, on continue, on verra bien.
pas rester bloqué quand c'est comme ça. Il y a quelque chose, quelqu'un ici là, pas loin. Changer de zoom de carte là parce que c'est vrai que. Voilà, là on voit que c'est pas si près que ça. Mais du coup lui je crois que. Je peux pas conclure ma quête. Il manque des trucs. Je crois que c'est lui qui veut des pipes de plomb. Ici c'est tout ce qu'il me reste à faire donc bon bah au pire on va rester là pour faire ça. Voilà, ça va plus vite déjà puisqu'on est là. Il me semble que c'est lui, une sorte de forgeron du coin. Allez, faisons un tour dans les magasins voir ce qu'il y a. Donc tout ce qu'il y a c'est des trucs qu'on peut trouver hein. À part ça que j'ai pas trouvé, j'ai jamais vu. Ça aussi. Mais j'imagine c'est parce qu'il faut avoir un niveau assez élevé au niveau de la ferraille. Pour l'instant je peux pas récupérer. Je peux récupérer que genre les pots d'échappement et trucs comme ça. Mais pas un véhicule entier par exemple. Ouais, il me reste une minute à attendre. Deux pipes sur trois, plus qu'une. Je viens de voir que Et puis la pipe est finie donc récupérer ça. Donc retourne pour celui-ci. C'était bien ça. Et on récupère un livre qu'on va lire aussitôt. Pour me servir des outils où on fabriquait, je sais pas, mais en tout cas voilà. Encore une autre mission. Faire Fireplace Poker. Fireplace Poker. Ouais, un bûcher. Je sais pas trop ce qu'ils veulent. Et hop, j'avais oublié que je voulais lire un livre. C'est bon. Éviter de les entasser, ce sera bien. Donc ouais, tout ça, il faut les garder sur soi aussi. C'est ce qui permet de crafter. C'est sa petite, c'est ses petites trousses de boîte à outils plutôt. Alors. Bah il y a toujours le mec qui veut des... Non, celui-là c'en est un autre. Parce qu'il y en a, il y en a un là, c'est Gary, il a toujours des missions lui, mais... Bon, ça sert pas trop On peut mettre le tour quoi. Je me faisais souvent avoir au début. Maintenant que je sais que c'est pas très intéressant, j'évite. Ah, c'est pas lui si. Il serait vert si... S'il aurait une mission, je crois, je sais plus. Attendez, non, le jaune, ouais, si, c'est bien ça, c'est qu'il a une mission verte, c'est pour les compléter. Ah, c'est pas compliqué, c'est toujours pareil, c'est juste la forme là, qui m'a perturbé, vu que c'est pas... En général, c'est un point d'exclamation. Dans la plupart des jeux. Donc, hop. Ah, mais c'est la lampe torche, Donc, lui, il veut qu'on utilise du poison sur les Blade Dancers. En échange, il nous passera un livre. Changer de niveau. C'est comme ça je crois. Non c'est pas comme ça. Oh, je suis parti où là? On était sur plateau il me semble. C'est ça. Ok. Voilà, bon. Sur notre droite. Deux missions côte à côte. À l'ouest.
je pense n'avoir rien oublié. Ouais, je pense que c'est bon. Bon, on n'avait pas grand chose à faire. C'est juste crafter des pipes en plomb, les remettre à la personne qui les voulait. Puis voilà. Donc on revient dans cette zone. Donc là on voit que... Merde, je crois que j'avais le gun. Non mais prends-le. On voit à peine de là, mais une espèce de sortie d'égout avec une échelle. Je pense qu'il doit y avoir moyen d'y rentrer. Mais pour l'instant, bon, j'ai pas l'air d'avoir de mission qui me propose d'y aller. Allez, ferme-toi. Côte à côte, ouais, pas trop, mais bon, on va entre les deux là. Bon, on va commencer par la gauche. Ah bah c'est, je me souviens. On les a vus tout à l'heure. C'est lui qui voulait, je sais plus quoi, poker truc là. J'ai un peu à côté de la plaque là, mais bon. Ah bah non, mais c'est pas fini. Parce que des couleurs rouges, il est pas vert. J'ai pas complété ce qu'il y avait à faire. Bon, heureusement qu'il y en a une autre à côté, on va se rattraper là-dessus en espérant que c'est bon pour elle. Take heated poker. Hit manger, hit tête, mais heated et poker, c'est deux trucs qui me, là j'ai du mal à saisir ce que ça veut dire en fait. On est passé devant quoi. Première fois qu'on les voit. Dragon de Komodo. Take heated poker. C'est bien ici qu'il y a notre mission à faire. Encore récupérer les organes. Je pense que c'est ça. Hein. C'est pour ça qu'il y a une croix dans cette zone, mais qu'il n'y a rien de spécial à faire. C'est pour ça que simplement récupérer des poumons. Ok. Non, on va changer un peu. Voilà, j'ai sonné. C'est ça. Ça sert à ça, l'espèce d'éclair là.
Parce qu'on est pile poil sur la croix, hein, comme vous voyez, y a rien. Donc j'imagine que c'est ça. Faut buter les ennemis qui se trouvent dans le coin. Un peu de bois. Donc les poumons, il en faut combien? Il en faut 100? Qu'est-ce qu'il va faire avec? Parce que moi je continue jusqu'à temps qu'il n'y ait pas d'indication comme quoi on est terminé une mission, mais... Sauf elle est passée, j'ai pas vu. Mais vu qu'on peut en récupérer encore, j'imagine que non. En théorie, en principe. Si on a pu récupérer, le jeu va plus nous en faire goûter quoi, tout simplement. Donc là, comme on voit, on en a toujours, donc j'imagine. C'est qu'il en faut encore. Donc je sais pas combien il en faut pour l'empêche là. Ça ne va plus. Ah, faut que j'utilise le poison sur les Blade Dancers, voilà aussi. Et du coup, du ouf. Faut que je le mette en... Peut-être que je le mette en raccourci. Je viens de retrouver ce que j'avais lancé tout à l'heure. Voilà. On a atteint le nombre maximum de missions, mais attendez, c'est pas un problème. On va en déloquer certaines. Tout ce qui est Amberi pour l'instant, vu que je vais pas y aller de suite. C'est-à-dire celle-ci. Celle-ci. On va se concentrer sur Westrich. On est full, il va falloir qu'on en libère certaines. Certaines, pardon. Empoisonner des Blade Dancers.
Bon. Comment les empoisonner, ces enfoirés? Voilà. Donc si je le mets sur un de mes slow, ça va fonctionner. Voyons ça tout de suite. C'est bon, je l'ai empoisonné. Voilà, c'est aussi simple que ça. Merde, on a deux sur le dos. On va essayer quand même. C'est bon, on les a tous empoisonnés, du coup là, on a tout fini au niveau de ça. Voilà, on le garde, pourquoi pas, le petit poison ça pourra toujours servir. Fireplace Poker, par contre ça je vois pas, mais tant pis. Et on va s'arrêter sur là, sur ça au pire, ah, tant pis, ça sera déjà ça. Puis au pire je ferai une ellipse, je veux dire. J'essaierai de me débrouiller pour éviter, vous éviter les petits blancs, même si, bon bah là, peut-être que du coup je... Vu que j'ai pas mal expliqué certaines choses, peut-être que du coup bah, je vais quand même éviter de... Parce que des fois que j'oublierai de vous le redire, bon je vais, une fois que c'est maintenant que c'est dit, je vais essayer de vous le mettre. Enfin, et de vous couper quand même les périodes, quoi. On verra bien. Ça, parce que là, ça, je trouve que ça a quand même bien coulé, donc on verra. Je pense que si je trouve, il n'y a pas besoin de faire de coupure hormis là. Le fait que je vais faire une petite pause et que je vais reprendre par la suite, on verra ça. Donc je sais pas si je vous dis en gros à la prochaine, donc ou à tout de suite. Mais ça revient au même. À peu de choses près. Hop, on récupère un peu de cactus, de l'eau de cactus. Parce que savoir que c'est vrai, il y a de l'eau dans les cactus. L'info du jour. Bon, en tout cas voilà, amateur de Fallout, amateur de TPS Open World, TPS FPS bien sûr aussi, Open World RPG, puis MMO du coup là. En gros, vous pouvez prendre c'est du Fallout ou même du Skyrim, mais bon, ça n'a rien à voir au niveau de l'univers, hein, c'est que beaucoup plus proche d'un Fallout. Ne nous le cachons pas. Même quasiment, hein. C'est, on voit que comme fortement inspiré de ces derniers, du moins au moins du 3 et du New Vegas. Voilà, on va faire une petite pause maintenant que nous sommes à la ville. C'est pas toi qu'on doit compléter pour la qu'on doit voir pour compléter la quête, mais tant pis. Serait-ce toi? Oui, c'est toi. Comme ça, c'est cool. On va faire ça maintenant. Mince, je me trompe, hein, la lampe torche. J'avais pas fait gaffe qu'il y avait une lampe torche, mais là, comme des fois je me crois dans un PBR ou la Dead, et que c'est F pour interagir dans ce dernier, et que dans Fallen Earth, c'est E, bah voilà, je me surprends parfois à allumer la torche et mettre parler. Et voilà. Nous voilà avec un bouquin qui va nous permettre de mieux connaître la nature. Et 350 points d'expérience. Et il a en plus de ça une autre mission pour nous. Dans laquelle il veut qu'on fabrique un poison pour Tony Clemens, pour lui. Ok. Voilà, c'est ce qu'on a à faire après. On va se mettre en mode sorcier. On va faire un poison. Et donc, je vous dis à tout de suite ou bah à la prochaine. Tout dépend de la longueur de la vidéo, je sais pas parce que
phase de découverte, et vu que le jeu me plaît quand même pas mal, je vois pas le temps spécialement passer. Parfois je crois que ça fait une demi-heure alors que ça fait le triple. Voilà, je ne sais pas trop. Donc je vous dis à tout de suite ou à la prochaine. Prenez soin de vous et bon jeu à tous. Et ciao.